bienvenue. Dans la nuit de samedi à dimanche, on change d'heure. On passe à l'heure d'été. À 2 heures du matin, il sera 3 heures. CM1, nous avons réalisé un JT spécial pour participer au festival de JT scolaire qui se déroule le 27 et le 28 mars 2010 à Orteviel. Les CE2 ont reçu la visite de Monsieur Allaire, qui était régisseur général au cinéma sur les films comme L'Ours ou Jean de Florette. Il nous a expliqué comment on a fabriqué le film L'Ours de Jean-Jacques Hanon. Il nous a raconté comment les ours ont été dressés, les secrets des effets spéciaux et qu'il faut beaucoup de personnes et de travail pour faire un film. C'était très intéressant. Ça nous a donné envie de faire des films. Et pendant presque un an, le dresseur de cet ours lui a appris à marcher en bloquant sa patte, comme ça, comme s'il était blessé. Et Bart, pour le récompenser, le dresseur américain qu'il avait, il avait deux grandes poches de chaque côté, avec dedans des chamallows. Vous savez ce que c'est, les chamallows? Oui. Comment vous avez fait les costumes? Il n'y a pas beaucoup de costumes dedans. Il y a un peu de maquillage. Par contre, dans le rôle de Kiki, par exemple. Kiki, c'est le petit ours que vous avez. En fait, il y a trois ours. Donc, on les a maquillés de façon à ce qu'ils se ressemblent tous. En fait, c'est trois ours. Parce qu'on n'arrivait pas à leur faire à tous la même chose. Vous dites, il y en a un qui grimpe aux arbres, l'autre, il ne voulait pas grimper aux arbres. Il y en a un qui avait peur de l'eau. Hein? Et l'autre, il allait dans l'eau. Donc, il a fallu les maquiller trois petits ours pour leur faire tout ce qu'on voulait qu'ils fassent, comme s'il y en avait qu'un. C'est PCE1. Décidément, nos haricots grandissent très vite. Comme le plus grand mesurait plus de 20 cm, nous avons dû aller les planter dans le jardin de l'école, où ils pourront développer leurs racines à leur aise. Une piétinée panneau haricot. Vous avez encore un outil? Okay, je vais vous en donner d'autres. Poussez-vous, reculez-vous. Ici, recule-toi, Quentin. Alors, un trou ici. Mais c'est moi qui l'a fait. Un trou ici. Allez-y. Marie-Nathalie, tu vas planter. Ouais, tu vas planter. Non, mais je peux planter. Attends, ouais, c'est bon. Toi, attends, Emma, on fait tous les deux comme ça. Trou, vous plantez. Pendant ta main, parce qu'elles aiment bien avoir du terreau. Mais oui. Elles aiment. Un seul plein de haricots est resté dans notre classe. Nous l'avons mis dans une boîte à chaussures pour faire une expérience. En effet, dans la boîte, il y a un labyrinthe que la plante devra suivre pour pousser. CE1, nous avons appris que le rossignol est un petit oiseau de nos forêts. Son chant est très varié. Il chante même la nuit. Il n'a pas de très jolie couleur et il est difficile à voir. Voici son chant. Les chasseurs et les ornithologues utilisent des appâts pour attirer les oiseaux. Bonjour, je m'appelle Mathéo. J'ai apporté un appât pour attirer les merles. CM2. Le 26 mars, nous avons eu des exposés. L'un sur le Maroc, l'autre sur le Portugal. De cette façon, nous allons faire le tour de la Méditerranée, de façon à connaître les différents peuples et cultures qui s'y trouvent. CP. Vendredi 19 mars, nous sommes allés voir un spectacle aux trois casinos. L'Empereur et le Rossignol. Pendant le spectacle, il y a eu des moments très rigolos et d'autres tristes. D'autres encore nous ont fait peur, comme quand la mort est apparue sur scène. Il y avait un très beau décor avec plein de couleurs. On s'est régalé au théâtre. Le décor était très coloré avec des objets rigolos, ce qui donnait envie d'aller sur scène.
sur le trône de l'empereur, parce que ça avait l'air marrant. On m'a beaucoup parlé de toi. Ou plus précisément, on m'a beaucoup parlé de ton chant. Et tu voudrais que je chante pour toi? Chante. Faire les histoires du chambellan à son courrier qui lui raconte toujours la même chose. Votre Majesté, c'est l'heure de votre courrier. Le courrier de l'empereur. Le courrier de l'empereur. Eh bien, donnez-moi ça. Chambellan, ramassez. Eh bien, votre Majesté. Chambellan, oui, votre Majesté. Ramassez. Eh bien, votre Majesté. Chambellan, oui, votre Majesté. L'empereur préfère le rossignol mécanique parce qu'il peut le commander, mais il finit par le regretter. J'aurais bien voulu arracher la capuche de la mort pour voir son visage. Je chanterai pour toi la mort, à une condition. Que tu laisses la vie sauve à l'empereur. Alors, chante. À la semaine prochaine.